Sophie Marceau et Jean-Paul Belmondo avaient respectivement 18 et 51 ans quand ils se sont retrouvés à faire équipe pour la première fois ensemble au cinéma dans le film Joyeuse Pâques. Une expérience que l'actrice n'a pas oubliée. En 1980, Sophie Marceau faisait ses débuts au cinéma. Son rôle de Vic dans La Boum la propulsait sur le devant de la scène et lançait sa carrière. Quatre ans plus tard, forte de cette nouvelle notoriété, elle rencontrait celui qui était alors au sommet de sa carrière, Jean-Paul Belmondo. Les deux acteurs se sont retrouvés dans Joyeuse Pâques, un film de Georges Lautner, à voir sur Paramount+. Lui prête ses traits à Stéphane Margel, un industriel d'une cinquantaine d'années, connu pour être un véritable Don Juan. À l'aéroport, il fait la connaissance de la jeune Julie, jouée par Sophie Marceau. En incorrigible coureur de jupons qu'il est, il s'éprend de la jeune femme. C'était sans compter l'arrivée inopinée de sa femme, Sophie, qui débarque alors qu'elle était censée être partie en voyage. Stéphane lui fait alors croire que Julie est sa fille, issue d'un précédent mariage. Quand Sophie Marceau évoquait ses souvenirs avec Jean-Paul Belmondo malgré l'écart entre les deux acteurs, 33 ans, Sophie Marceau garde un tendre souvenir du tournage aux côtés du grand Bébel. Jean-Paul, ce n'est que des anecdotes. Parce que si est un gros déconneur, avait confié l'actrice à Combini il y a quelques années. Il adore déconner, on faisait des concours de malabar, celui qui ferait la plus grosse bulle. Moi ça va, j'avais 16 ans, mais lui avait quelques années de plus, s'était-elle souvenue. Pourquoi Sophie Marceau ne s'est pas rendue aux obsèques de l'acteur en 2016, Sophie Marceau avait rendu un vibrant hommage à Jean-Paul Belmondo en lui remettant un lion d'or pour l'ensemble de sa carrière à l'occasion de la Mostra de Venise. Pourtant, 5 ans plus tard, l'actrice ne s'était pas rendue aux obsèques de l'acteur, décédé le 6 septembre 2021. Elle était alors en tournage aux États-Unis mais ça n'est pas la seule raison. Je ne suis pas sûr que j'y serais allé. J'aime bien l'idée de témoigner son amitié mais je l'ai fait à plusieurs reprises pour Jean-Paul. On a gardé un respect mutuel, je lui vouais une grande admiration. Article écrit en collaboration avec 6 médias.